Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano, bienvenue aujourd'hui dans ce second épisode de notre Let's Play sur Princess Peach Showtime, les amis. Je suis très content de vous retrouver, et bien après ce premier épisode qui m'a fait du bien, qui m'a vraiment fait du bien, j'ai kiffé reprendre du Let's Play, j'ai kiffé rejouer à des jeux à l'ancienne. J'espère vraiment que vous, vous avez kiffé, je croise les doigts vraiment les amis, vous le savez, j'enregistre bien des épisodes d'avance étant donné que je ne suis pas là ce week-end, je suis en convention. Le jeu sort le week-end évidemment où je suis absent, évidemment il n'y a aucun jeu dans l'année, ça sort pile le week-end où je suis pas là. Bien sûr, j'espère donc que le premier épisode vous a plu, j'espère que ce second épisode va vous plaire, et à partir d'aujourd'hui, eh bien, il y aura un épisode tous les jours à midi, donc il y en aura un demain, après-demain, etc. Le temps, eh bien, de terminer le jeu. Comme je disais, je suis pas certain que ce soit le jeu le plus long du monde, on verra, mais je pense qu'en une petite semaine, on peut avoir fait le tour. On verra, je fais des petits calls, peut-être même un peu moins, on verra. En tout cas, si cet épisode vous plaît, eh bien, faut pas hésiter à mitrailler la barre de pouces bleus une fois de plus, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à laisser un petit commentaire. La dernière fois, on avait fait les trois premiers mondes, à savoir, eh bien, le monde guerrier, le monde pâtisserie, ainsi que le monde cowboy. Et il nous restait, eh bien, celui que j'avais préféré dans ma preview, lorsque j'avais pu mettre la main sur le jeu, le monde ninja. Et ensuite, on va voir, on va découvrir, eh bien, quels vont être les autres mondes. J'ai très hâte de voir vraiment l'étendue du jeu et les nouveaux pouvoirs que je n'ai pas pu tester. Mais pour l'instant, allons donc dans le niveau ninjutsu, le parchemin de l'eau. J'avais vraiment surkiffé le pouvoir de ninja, je trouve que c'est un de ceux qui est le plus complet que j'ai pu tester. Et j'ai très hâte que vous le découvriez. On est donc parti, et j'ai très hâte de voir les prochains pouvoirs, très clairement. Là, ça va arriver, là, aujourd'hui, je pense, peut-être Peach patineuse, je sais qu'il y a Peach kung-fu, enfin bref, il y en a plein. Il y en a plein, Peach sirène, il y en a énormément. J'ai très hâte de voir, et comme d'habitude, on va essayer d'obtenir, eh bien, le plus de choses possible, mais ça va bien sûr dépendre. Toute bonne histoire de ninja se doit de commencer dans un village. Hein ? On dirait bien qu'on ne pourra pas aller par là. Et oui, car ils sont en train un petit peu de bloquer. Mais du coup, nous pouvons voilà, récupérer des pièces et tout un petit peu comme ça. Notre village a été pris d'assaut. Donc pour l'instant, on ne peut pas, vous le voyez, il y a les ennemis. Ah, oh ouais, avec les sakura et tout, c'est magnifique vraiment. C'est très stylé. On va récupérer ici directement. Est-ce qu'on a des trucs derrière ? Là, on ouvre le passage qui va nous permettre d'aller eh bien, au monde ninja. Est-ce qu'on va récupérer directement ? Oui, directement le premier. Et donc on ne peut pas aller à droite pour l'instant, c'est normal. Donc allons ici à l'intérieur du monde ninja. Tu vas passer par le puits incroyable. Et oui, que voulez-vous, que voulez-vous, que voulez-vous. Alors tout ça, je peux rien récupérer si je dis pas de bêtises. Donc on va avancer. On va se faire des petites pièces évidemment comme d'habitude. Et tu ne peux pas passer en force. Oui, car il y a évidemment, eh bien voyez, ce monstre. Donc on va vite passer. Ok. Mon entraînement n'aurait servi à rien. Tiens, vas-y. Fais voir les fruits de ton entraînement, mon pote. Là, il devrait, je crois, nous ouvrir la pierre derrière nous. Parfait. Et donc, on peut y descendre. Et on va arriver ici, discrètement. On va récupérer ça. Hop. On va aller là-dedans. Normalement, je ne risque pas grand-chose, voire rien, si tu dis pas de bêtises. Et là, par contre... Ok, il faut que ça s'ouvre comme ça. Et on passe directement. J'ai peur d'avoir loupé des choses. On l'a vu. On l'a vu. Ok, elle est là. C'est bon, on a rien loupé. Incroyable, tu as réussi à rentrer. Petite cachette. Franchement, je trouve que c'est un des meilleurs mondes jusqu'à maintenant. Je pense que c'est mon monde préféré des 4 que j'ai pu tester. Et depuis le premier épisode maintenant, je pense vraiment que c'est mon préféré. Je le trouve trop cool. Et je l'aime vraiment beaucoup. Alors, tu es arrivé jusqu'ici, c'est impressionnant. Et donc, nous y voici. Tu ne peux peut-être nous aider. Alors, on va récupérer des petites pièces. Et oh, on est bien tombé là. Là, on est bien tombé. Faire gaffe aussi à s'il n'y a pas, vous savez, un petit niveau bonus que des fois on rate. Et là, on obtient assez rapidement cette fois-ci, eh bien, la Peach Ninja qui est trop stylée. La Peach Ninja, très clairement, elle est trop stylée. Et surtout, le gameplay est trop bien. Tu peux te battre, lancer tes shurikens, tu peux sauter au mur. Elle est vraiment trop bien. Comme on disait, hein, chaque monde, bah en vrai, chaque monde, c'est un nouveau niveau. C'est un nouveau jeu, pardon. Chaque niveau, c'est un nouveau monde. Chaque niveau, c'est un nouveau jeu. On va y arriver. On va y arriver. Regardez-moi ça. Toudou. Quelle classe. Quelle grâce. Tintin. Peach Ninja. On est parti. Alors, Peach Ninja est là. Si je dis pas de bêtises, Peach Ninja, elle peut donc attaquer comme ça. Oh, la musique. Et elle peut sauter au mur comme ça, vous voyez. Utilise A pour sauter à la verticale d'une paroi à l'autre. Et ça, hop là, c'est trop bien. Et on récupère le troisième et on ressort par ici, ce qui va nous faire sortir directement
ici qui est, je crois, le début. C'est pas le début tout de suite, alors attendez. Là, du coup, je peux plus forcément activer des trucs, mais je peux sauter un peu partout. Il me semble que je l'avais pas fait à 100% ce niveau, je sais plus. On va voir. Là, je peux, par exemple, hop là, le dégager directement. J'ai même pas lu les conseils. J'ai même pas lu les conseils. On récupère direct. On est bon. Hop, on peut tous les défoncer. On n'est pas obligé, hein. Je sais pas ce qui se passe si on se fait voir, concrètement. J'avoue que je ne sais pas. On va venir ici. Qu'est-ce qu'on a, là? C'est le ninja. Ah! J'ai eu l'œil. Heureusement que c'était sur un toit, sinon je l'aurais loupé. Ah, mais c'est tout! Ah non, je monte pas. C'est pas un niveau bonus. Ok. Bon, c'est pas très grave. On y va. On va descendre là. Qu'est-ce qui se passe si je me fais voir véritablement? J'en ai absolument aucune idée. Vous avez vu, je peux aussi me camoufler comme ça. C'est beaucoup trop bien. Ah, là, cette fois, c'est bon. Cette fois, c'est le bon niveau. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Qu'est-ce que je kiffe, encore une fois, je le disais lors du premier épisode, mais vraiment, qu'est-ce que je kiffe juste enregistrer du let's play. J'adore. Oh. Hop, 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 hop. On récupère, on récupère, on récupère. Et... ok. C'est tout. Y a pas de truc bonus? Attends. Alors, honnêtement, ça me semble bizarre. Mais alors, qu'est-ce que tu me fais? Ok, on s'en va. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Mais peut-être qu'il y a des fois où on n'a rien. C'est possible. Hein. Oh, regardez. Alors, attendez, je vais essayer de volontairement me faire voir. Il se passe quoi? Juste je... d'accord, juste je reviens ici. Ok. Hop, on passe là, on passe ici. On récupère, est-ce qu'on en a loupé? Non, on en a pas loupé, on est pas mal. On va avancer ici, on va voir. Est-ce qu'on a des choses par là? On a des petits gars ici qui sont emprisonnés. On va les sauver tout de suite. Hop. Ok, voilà. Et là, comment je peux les aider? Prudence, les ennemis seront nombreux. J'ai toujours pas eu mon petit ruban d'ailleurs. Non, j'ai toujours pas eu mon ruban. Alors attention à ça, les ennemis. Ah mince. Je reviens ici. Vas-y, vas-y, c'est pas grave. Ah, j'ai raté! Comment je passe là? Attendez. Ah oui, si, 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 c'est bon, pardon, pardon. Alors déjà, je pourrais passer sur les murs. Chose que je ne fais jamais. Hop là! Voilà. Et là, on vient ici. On vient ici et on le termine bien comme il faut. On n'a rien à gauche, hein, je crois pas. On va avancer. J'aime vraiment beaucoup le monde ninja. Alors ici. Ah, le ruban, il est là. Parfait. Donc là, je peux venir dans l'eau si je veux, comme ça, pour respirer avec le tuba. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment, regardez-le. Je trouve ça vraiment trop cool. Et là, on en a un qui est un petit peu spécial. Hein. Ok, on l'a eu. Qu'est-ce que ça fait de le tuer, lui? Ok, ça me donne directement ceci. Ah, ça a fait dépop les autres. Dommage pour les pièces, pour le coup. C'est pas grave. On est pas mal. Ne baisse pas ta garde. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'ils veulent, ce sont les parchemins. Ok, oula, oula. Ces parchemins sont à moi. Ils sont en train de voler les parchemins directement. Ok, allez, go. Ne laisse pas s'échapper. On y va, on y va, on y va, on y va. On y va, t'inquiète, mais avant ça... hop, 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 regarde. Celui-là, je l'avais loupé, je pense, 100%. Il y en a plein des endroits cachés dans ce niveau, la vache. Dans ce niveau-là, il y en a plein. Alors. Hop. Et voilà, parfait. Ok. Comme ça, on est bien, on ressort d'ici. Je me demande si on peut pas accéder quand même sur le toit. Je sais pas si vous avez vu, mais le toit m'a l'air un petit peu... regardez ça, là. Ici, hop, je vais y arriver. Bah alors. Ok, hop. Vraiment, moi je... j'ai pas encore vu vos retours, donc je sais pas, mais... moi, vraiment, alors pas dans les déplacements, là, en mode ninja, mais vraiment, dans visuellement, moi, je vois du Paper Mario, hein, c'est terrible, hein. Je vois vraiment du Paper Mario. Alors, on va voir. On le suit. Ok, là, ça avance tout seul, donc là, c'est un coup à... c'est un coup à louper quelque chose. Ok. J'aurais dû les tuer. Ok, on fera pas la même erreur cette fois. C'est bon. Ok, elle est venue avec moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on est bien. Ok. Ah! C'est bon, on est passé.
Mais au pire, j'ai cette solution-là. Oh non ! Je l'ai pas aidé, il avait un truc pour moi ! Non ! Clairement, il avait un petit nez qui brillait, c'est sûr, il avait un truc pour moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oh non, j'en ai encore loupé un. Ok, bon, tant pis. Ben, on sait où il est, mais bon. Et là, on obtient carrément un ninjutsu, regardez-moi ça. On bouge la pierre directement. Incroyable, ça. Mais vraiment, ce niveau est incroyable, je trouve. Par rapport aux autres, je trouve celui-ci vraiment génial. Il est beaucoup trop cool. Et on y arrive. Allez, hop là, c'est bon, on l'a eu. Donc on va avoir le dernier qui était une sorte de boss. Mais par contre, il va m'en louper un, hein, bien sûr. Eh ouais, bien sûr, évidemment. Ah, quel dommage! Quel dommage, quel dommage. Bon, c'est pas grave. Du coup, on est bon. Yeah. Il m'en manquera un à la fin, on sait où c'est. Et du coup, à partir de là, je ne sais plus du tout ce qu'il se passe dans le jeu. Puisque je ne sais pas s'il y a un truc au centre, vu qu'il y a un masque qui va apparaître, si ça va juste me débloquer en haut, s'il y a un boss de zone, si... Je sais pas. Ça va être la full découverte à partir de maintenant pour moi. Même si là, il y avait des cinématiques et tout que j'avais pas eu certains moments. Mais là, maintenant, ça y est, on est en full découverte. Le let's play démarre vraiment, la découverte démarre vraiment maintenant. On va voir ça, je suis assez curieux de voir ce qu'il va se passer. Déjà, j'aime bien la nouvelle, le nouveau petit motif qu'on a eu. Et alors, attention. Parce que j'étais pas sur une build finale du jeu, hein, c'est pour ça. Et donc là, ça passe en vert. Ouais, il va se passer un truc. Ça saute directement. On va débloquer un monde. Un monde contre un boss. Ah ouais. Ouais, je suis chaud. Je suis chaud directement. Alors, on va d'abord garde-robe, on va équiper la nouvelle, je pense. Voilà. Est-ce que notre ami vend des choses en plus ici? Je me demande si en bas, vu le côté un petit peu violet là, je me demande si en bas, c'est pas chaque boss qui serait représenté ou quelque chose comme ça. J'avoue que je sais pas. Je me rends pas compte. Est-ce qu'il a des nouveaux trucs? Non. Il a rien de plus. Ok. Vous voyez où je veux dire? En bas, en bas ici, là, je sais pas, peut-être qu'il y aura quelque chose. Alors, tu connais les amulettes cœur? Ah oui, on en a parlé, frérot. Non, c'est bon, j'en veux pas. Alors, vous êtes prêts? Découverte totale. Alors, ces filles étaient connectées à cette porte. C'est peut-être elle qui met toute cette pagaille dans les pièces. C'est bizarre, mon étincelle se renforce. Elle réagit peut-être à cette porte. Si on améliorait mon pouvoir avec des gemmes d'étincelle, je pourrais peut-être l'ouvrir. Donc il va me falloir un certain nombre. Est-ce que tu peux me donner quelques gemmes d'étincelle que tu as ramassées? Combien t'en veux? Donner 10 gemmes, on en a 35, donc ouais, ça va quand même, ça va. Tu peux te permettre d'en louper. Tu peux clairement te permettre d'en louper. Attention, voyons voir. Mais du coup, confirmation qu'il faudra fouiller. Bien sûr. Est-ce qu'elle a grandi? Je m'en rends pas compte. C'est vraiment le premier boss. Et la porte s'ouvre. Nice! Alors. On y va? Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur, les mecs? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Les chargements sont bizarres, on dirait que ça lag, alors que c'est pas vraiment du lag. Enfin, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Ouh là là. Je connais pas là, à partir de là. Le boss, c'est une chouette disco, ok. Est-ce que je vais pouvoir utiliser mes différents pouvoirs? Vous êtes qui, vous, et comment vous avez fait pour passer cette porte? Avec Dame Syrah, on réécrit vos histoires. Vous comptez nous en empêcher, c'est ça? Eh ben, je vais vous punir avec le pouvoir de l'étain sombre de Dame Syrah. L'étain sombre. Oh la vache. Disco plume. Elle me fume. Ok, comment ça marche? Super, je l'avais même pas vu.
Je vais renvoyer les trucs. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Vas-y, reviens. Raté. Attends, on va attendre Kirby. Oh! Ok, bon, j'ai compris. J'ai juste été assez mauvais. On va attendre qu'il repasse. Vas-y, reviens. Tiens, prends-toi ça. Ok, ça touche. Reprends-toi ça. Ça retouche. Ok. Et là. Ok, on peut le toucher directement. Tête à l'envers, c'est bizarre. Ok, il faut que j'appuie, je renforce. Est-ce que c'est bon? Non, peut-être pas du premier coup quand même. Ok, c'est pas fini. Allez, vas-y, on continue. Oh la vache. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Je peux rien faire de ça, alors c'est... Ok, c'est là pour esquiver, d'accord. Ok. Et on recommence. Ok, ça repart. Ok, et là, on est parti. On spam. On a le truc maintenant. C'est parti. Le fait d'avoir la tête à l'envers à chaque fois, c'est perturbant. Un petit cœur directement, on prend. Vas-y, vas-y. Reviens là. Ça va recommencer. Ok. Donc là, tu vas remonter la gravité, d'accord. On va se mettre là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. 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 Est-ce qu'on est bon? On est bon. Oh la vache. Ah non, elle attaque directement. Ok, j'ai touché un peu. Ok, ça touche. Ça touche, on y va. Allez, je pense que c'est terminé là cette fois. C'est bon. Premier boss terminé. Ça a vraiment une vibe Mario de fou, j'adore. J'adore. Franchement, pourtant, on en a fait des jeux Mario un petit peu récemment, mais même par rapport à Mario Donkey Kong et tout ça. Passait. Mais même Wonder, j'ai adoré Wonder, hein, vraiment, j'ai adoré Wonder. Je pense qu'artistiquement, il est quand même au-dessus. Mais là, on est quand même sur un jeu qui est plus conséquent visuellement, 3D, machin, beaucoup plus 3D que l'autre et tout. En vrai, je kiffe de ouf, là. Et du coup, on va débloquer cette partie là-bas. On libère cette zone. Voilà, nickel. Trop bien. L'étage est redevenu normal grâce à toi. Je ne sais même pas comment te remercier. Cela dit, on n'a toujours pas vu d'étincellistes. Je me demande où ils ont bien pu aller. Ça m'inquiète pour tout avouer. Ils sont peut-être montés à un autre étage. Allons voir, un autre étage, donc il y en a plusieurs. Je pense. Alors, la première des choses que je voudrais voir. Déjà, toi, salut. Où vais-je trouver le prochain? Oh bonjour, je suis là pour prendre des photos de représentation. Je suis à la recherche d'une nouvelle personnalité qui resplendirait devant l'objectif. J'ai récemment pris des photos d'une pièce captivante. Jeune fille, ne serais-tu pas toi-même un peu actrice? Alors j'espère que ça ne te dérangera pas que je te photographie quand tu brilles sur scène. Si tu obtiens toutes les gemmes d'étincelles pendant une pièce, je capturerai ton image, ok? Et bien sûr, pour te remercier, je t'offre un album qui je remplirai avec des photos de toi. J'ai hâte de voir tes prouesses, ok? Obtenu album des exploits de Peach. Donc ça c'est un petit truc en plus, album des exploits de Peach. Donc par exemple, ouais c'est le seul dans lequel on a tout eu pour l'instant. Ok. Garde-robe, est-ce qu'on a des nouvelles? Non, je crois pas. Franchement j'ai kiffé le boss. Hein. J'ai vraiment kiffé le boss, sois prudente, nanana, ok. Donc tout ça c'est bon. Toi, qu'est-ce que tu veux? On récupère la pièce de l'épéiste. On répète la pièce de l'épéiste. Nous avons un peu de retard, je m'en excuse. Élimine autant d'ennemis que possible. Si tu subis des dégâts, la répétition se terminera. Tu recevras une récompense en fonction de ta performance. Oh! Si je fais 140, je gagne 60 pièces et un ruban. Je sais toujours pas à quoi servent les rubans, mais let's go. Ok. Alors voilà, le retour de l'épéiste via des nouveaux mini-jeux. Je ne connaissais pas, on va essayer.
Et ensuite, on va aller voir en bas, et puis après on grimpe. Je connaissais pas du tout, ok. Alors, c'est parti, il faut faire 140 points. Ok. Ah ouais, d'accord. Oh. Ah oui, il faut pas se faire toucher du tout. Ok, voulez-vous réessayer? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, cette fois, ça va être la bonne, je le sens. Hop. Prenons notre temps. Là-haut, hop. Ok. Objectif 140. Ça devrait être faisable. Hop, on dégage ça. Faut juste prendre notre temps. Oh, vache. Il y a du monde quand même. Hein. Ok. Ok. Ok, alors j'en ai loupé. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. Il y en a peut-être pas 140. Hein. Plus que 30 secondes. Ah ouais. Donc en fait, si je veux faire le max. En fait, si je veux faire le max du max du max. Oh la vache. C'est dur, hein. 140, c'est peut-être faisable. Avec eux, là. Ok. Oh, 132. Bon, médaille d'argent, c'est quand même pas dégueulasse. Non, ça ira, 132, ok. Je prends, en vrai, pour une première découverte. Mais du coup, en vrai, je pense qu'on était vraiment à ça. Il y en a 2-3 que j'ai laissé passer à la fin. Je pense vraiment qu'en les tuant, ça passe. Vraiment, c'est quelque chose qui est faisable. Mais du coup, voilà, ça nous permet de revoir un petit peu. Du coup, on a 139, on n'a pas le petit... on n'a pas le petit truc. Bon, c'est pas très grave. Ok, on prend. Ok. Donc ça, c'est des trucs qu'on a débloqués. Est-ce qu'il y a d'autres mecs? Je crois pas, hein. Toi, symbole a disparu, ok. Toi, du coup, machin. Les étincelles seraient-ils plus haut? Peut-être. Alors, avant d'aller voir plus haut, on va déjà donc descendre, voir s'il y a quelque chose qui est apparu. Si jamais il y a le boss qui est apparu, ça veut dire que tout ça, c'est tous les boss. Ce qui en fait déjà un sacré paquet. En vrai, je pense que c'est possible que ce soit ça. C'est le sous-sol du château. Il y a une atmosphère étrange. Non, c'est pas ça. Hein. Regardez, il est pas là, le... Alors, vous m'aurez sûrement dit dans les commentaires ce que c'est, mais comme je ne vois pas pour l'instant les commentaires, évidemment. Non, non, ok, c'est pas ça. C'est un truc pour plus tard. C'est peut-être des défis ou des trophées ou je sais pas. En vrai, hein. Je sais pas, j'essaye du coup de tout imaginer, forcément. Bon, écoutez. Fonçons directement, eh bien, au niveau du premier étage. Et j'ai hâte parce que je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Les portes et les fils ont disparu en même temps. C'est parti! Alors, voyons voir, est-ce que c'est grand, comment ça se compose? Déjà, en voyant le nom des niveaux, je vais tout de suite penser aux transformations, donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Théâtre de l'étincelle. Ok, alors, c'est la même chose. Ok, j'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu différent, mais pourquoi pas. Allez, après tout, pourquoi pas. Du coup, on a encore un étage au-dessus, évidemment. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas. L'étincelle détective résoudrait ce mystère. Maintenant, c'est cet étage qui est lugubre. Je regarde un peu ce qu'ils ont à me dire. Vous avez aperçu la grappe maléfique? Non, grappe maléfique, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? L'étincelle détective, c'est peut-être par ici. Alors, on a quoi? On a le détective, la patineuse. Stylé, ça, la patineuse, j'ai trop envie de voir. Le détective, le fameux. Et c'est le retour de l'épéiste? Ah, alors déjà, c'est plus la même chose, vous avez vu, les rubans, ce sont plus des rubans cette fois. Ce sont des petits nœuds, là. Le château inventé. Ou le château hanté, j'ai pas vu. Le château hanté, inventé, n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il y a moins de gemmes à récupérer. Donc on peut re-avoir des transfos qui repop. Donc voilà, là, visiblement, on en a la preuve. Écoutez, commençons par celle-là. Histoire de voir un petit peu, ce que ça donne en totale découverte du lieu. Le château hanté. Donc ce sera 4 trucs à chaque fois. Ok. Ok, ok, ok. Alors voyons voir. Comment ça se passe? On est direct transformé cette fois-ci. Ok. On est direct transformé. Viens avec nous. Alors attends, déjà. Normalement, il y a plein de monde au château. Je me demande ce qui se passe. On va voir. Déjà, c'est très stylé l'environnement. Oui, il y a quelqu'un? Ce silence. Et oui, car c'est les bouts.
Ce château est à présent le mien. C'est le roi Bou. S'il le met dans des tableaux, c'est fou. Ça fera très Luigi's Mansion. Tout intrus dans mon château, pas du tout un Bou. Ton bras. Ok. Épéiste. Ok, on est parti. Alors, oh, noble épéiste, aide-nous s'il te plaît. Alors, viens voir. Oh, ils ont des... Oh, c'est trop bien. Ils nous ont enfermés ici avec leur pouvoir sombre. J'adore leur look. Ils sont trop stylés. Occupe-toi d'eux, s'il te plaît. Ok. On y va. Ok, on va ouvrir ici. Directement. On va prendre ce qu'il y a là. Alors, attends, parce que du coup, je connais pas. Donc, il y a un monde où je loupe des choses. Hein. En tout cas, j'aime bien déjà visuellement ce que je vois. Alors, ne pas confondre avec l'autre. On y va. Ok. Décidément, c'est l'épisode de l'épéiste. Hein. J'ai rien là-dedans. Ça me semble étonnant, mais ma foi, pourquoi pas. On va vite le voir. Est-ce que ça va être le premier? Ça va être le premier. Il y en a moins. Hein. Il y en a moins. Sois prudente. Ok, elle est libérée. On y va. J'aime bien vraiment ce petit château hanté. Je l'ai vu. Je l'ai vu tard, mais je l'ai vu. C'est bon. On y va. Parfait. Petit niveau bonus. J'aime trop, les gars. J'aime vraiment premier degré ce jeu. C'est fou. Pourquoi est-ce que je préfère ce genre de jeu à des fois des énormes... Je sais pas. Rapport à l'enfant, j'en sais rien. Moi, je kiffe vraiment ces jeux, je vous jure. Pour moi, en fait, c'est toujours efficace. Ça marchera toujours. Ok. Est-ce qu'il y avait un truc, je sais pas, ou est-ce que c'était que pour des pièces? On va dire que c'était que pour des pièces. J'ai cru qu'il y en avait un autre derrière, mais c'était la perspective. En fait, non, non. Il n'y avait pas un autre derrière. J'ai eu vraiment très peur d'un coup. Qu'est-ce qu'ils ont? Noble épéiste, nous sommes terrorisés sur nous de là. Et ils se font attraper. Qu'est-ce qui se passe? Ok, là, c'est une arène. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Ok. Ok, il faut que je les esquive. On rappelle, hop là. On les fait, vas-y, encore un. Ok. Oh. Oh la vache. Il y en a beaucoup. Ok, il arrive. Petite impudente. Ah non, c'est bon. Ok. On s'en est bien sorti. On s'en est plutôt bien sorti, on continue. Et en plus, on a bel et bien la deuxième gemme, donc ça veut dire qu'on en a pas loupé. Ça revient ici. Encore toi, tu es venu te faire éjecter? Ok, ça passe. On y va. Non. Ok, je l'ai eu. C'est bon, les pièces, c'est pas très... Oh, les pièces, c'est pas très... Oh, le changement de perspective, j'aime bien. Que dis-tu de ceci? Ouais, alors... Ok, ça passe. Oh, on l'a pas aidé. Je pense que comme on l'a pas aidé... Est-ce que je peux l'aider? Ou est-ce que c'est volontaire... Attendez, petit niveau secret. Est-ce que si j'arrive à le décrocher du tableau, j'ai quelque chose, peut-être? Je ne sais pas. Ici, on a quoi? Ok. Ok, dégagez, 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 dégagez. Et on récupère. Nice! On est pas mal pour le moment. Les pays s'en sortent plutôt bien, je trouve. Alors, on va voir ici. On continue. Ok, on passe, on passe, on passe, on passe. Il est encore là-haut, l'autre, non? Ah, mais je peux péter les trucs, voilà. Ah, donc je pouvais bel et bien le sauver, je pense. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ça passe. C'est stylé un peu, hein. Là, ici, il y a quelque chose. On récupère. Ah, il m'en loupe une. Donc, c'était probablement le petit qui était accroché au tableau qu'il fallait que je décroche. Ou alors, c'était pour le nœud. Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On découvre. Oh, la classe. Quelle classe! L'épéiste! Oh, tu n'as rien! Alors vas-y, viens là, toi. Ce sera plus simple si tu arrêtais de gigoter.
je vais te faire regretter. Ok, ok, alors vas-y. Je vais attendre qu'il sorte du mur. Hop! Vas-y, vas-y, t'inquiète pas. Je suis chaud. Ok, ça disparaît. Ok. C'est bon, ça passe. On s'en sort bien. Vas-y, reviens. Il va repopper sur un côté. Non, par là. Ok. Oh, je l'ai raté. Faut que je saute. Ça marchera mieux en sautant, je pense. Hop. Ok, c'est bon. Dernier coup, je pense. Attention. Attention, j'aime vraiment énormément ce niveau, sachez-le. Je pense avec le ninja, c'est mon préféré pour l'instant. Ah, ça marche pas. Ok, non, là, je peux rien faire. Quand il pop comme ça, je peux rien faire. Je crois. Non, vous voyez, j'essaie de sauter et tout, ça passe pas. C'est pas grave. Là, il va venir sur un côté, et là, c'est maintenant. Hop. Et voilà. Magnifique. Sublime. Tu as réussi, notre noble épéiste, tu as été époustouflante. Parfait. Voilà. Bon, il nous en aura manqué une, plus le ruban. C'est pas grave. C'est comme ça. Du coup, ça fait que on progresse. Mine de rien, plutôt pas mal. Voilà. Et je pense qu'on a le temps de se faire un dernier niveau. Et comme ça, on va découvrir aussi une nouvelle transfo. Parce que c'est vrai que là, du coup, épéiste, on l'a vu. On aura découvert que ninja, mine de rien, aujourd'hui. Donc j'ai hâte aussi de voir. J'ai vu qu'au deuxième étage, il n'y avait pas forcément de vendeur. Je sais pas s'il va y avoir d'autres vendeurs après. Si... voir comment ça se passe. Parce que va bien falloir que ça me serve à quelque chose au bout d'un moment, toutes ces pièces. Ou alors c'est pour juste tout acheter. Une fois que tu as tout acheté, c'est bon, tu as tout. Je sais pas. Là, j'ai quasiment de quoi tout acheter. Hein. Quasi. Hein. Quasiment, quasiment. Et là, on ressort. Et on est bon pour ce niveau de l'épéiste. On a donc le détective, la patineuse et je ne sais plus qui. Ah non, mais le détective, c'est la loupe. Je dis une bêtise. Merci. Nous n'avons pas trouvé l'étincelliste épéiste, mais la pièce semble être redevenue normale. L'étincelliste épéiste, j'ai hâte de voir ça. Peut-être ça booste mes pouvoirs. Oh. Ah bah c'est ça, non? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amélioré mon pouvoir à force de l'utiliser. Je peux m'en servir quand je veux. C'était à l'étincelliste épéiste. Et ben voilà. Il paraît que les esprits d'étincelliste sont confiés aux acteurs qui tiennent les premiers rôles. C'est formidable, Peach. Ça veut dire que tu es animé par l'esprit de l'épéiste. Et donc? Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans le collier? On dirait que ça vient du sous-sol, allons voir. Ah! Les fameux, du coup, bah voilà, j'ai juste voulu savoir un peu trop tôt, en fait. On y arrive. On va avoir les... Donc c'est les différents esprits, donc c'est l'ombre de transfo, en fait. 100% c'est ça. Vous allez voir. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y aurait 10 transformations en tout. Ok. À voir. C'est bizarre, il n'y avait rien de tel au sous-sol avant. Bon, je parie qu'on peut voir de nouvelles choses parce qu'on t'a confié l'esprit de l'épéiste. Mais ça sert à quoi? Ohé! Ah mais c'est des portes en fait, c'est des niveaux aussi je crois. Est-ce que quelqu'un m'entend? La voix vient de là. Allons-y tout de suite. Ah en fait oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là on va encore être en épéiste peut-être, du coup. C'est un boss. La dernière fois qu'on a eu ça c'était une sorte de boss. Je suis chaud, moi, je me laisse guider. Écoutez, franchement, je suis grave partant. Voyons voir. Voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble, surtout. Surtout ça qui me rend curieux. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette faille? Oh, what? Oh, ce décor est vraiment bizarre.
Ça ne peut pas être dans une de nos pièces. Ah, c'est un vrai décor, on sort du manoir. Trop bien. Peach, avançons prudemment. Ah, le jeu prend une tournure qui me plaît bien là. Et donc on est encore avec le pouvoir de l'épéiste. Peut-être qu'on va débloquer des nouveaux pouvoirs. Ah, attends, je voulais faire un truc, mais c'est pas grave. En tout cas, est-ce que j'ai des choses à avoir dans ce niveau? C'est le monde épée numéro 3. Ok. Ce qui est peut-être le monde un peu final, entre guillemets, de l'épée. Je sais pas, on verra. On est beaucoup avec cette transfo qui est un peu la transfo du début, hein, vous l'avez compris. Hein. J'ai peut-être loupé des choses, j'ai même pas fait gaffe. Ok. Mais ça me plaît beaucoup. Ok. Encore rien à voir, ouais, par là. C'est une sorte d'arène. Ok, on a réussi. Est-ce qu'on va avoir, du coup, une gemme? Oui. C'est la troisième? T'es en train de me dire... Non, mais tu te fous de moi. Genre, j'en ai loupé deux, ici. Quoi? Oh, oh oui, d'accord, ok. Avouez, celle-là, vous avez eu envie de crier, déjà. Et ensuite, parce que le monde est petit. Ah, et lui, il est là. Ok, bon, c'est juste moi qui ai pas du tout été attentif. En fait, mes yeux sont attirés par le décor du fond, tout bleu et tout, qui est magnifique. Du coup, voilà. Hop. On récupère. Oh, alors. Ok, ça dégage. Et voilà, les trois. Vous voyez comme quoi, ça peut valoir le coup quand même de vite fait revenir un tout petit peu en arrière. On va voir ce qui s'y cache. C'est un petit monde, hein, de toute façon, on le voit. Donc là, je peux recourir par là-bas. Hop. C'était par là, hein, qu'on s'était battu. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à partir d'ici? Là. Oh, waouh. Ah bah... Je suis coincé ici, donc le petit ruban. Donc, qu'il considère comme étant vraiment... Alors, même si on est au moins 1, il considère ça comme, comme l'emblème suivant. Ok. Il y en a... Non, tu te fous de moi. Au secours! Non, par contre, non. Voilà, donne-moi ça. Ok. En fait, l'esprit, je pense, de l'épée est bloqué contre un boss. Pour moi, hein, je vous dis ce qui se passe. En fait, ces niveaux-là, on les débloque. C'est l'étincelle épéiste, ne t'en fais pas, nous allons te sauver. Pour moi, ces niveaux, on les débloque lorsqu'on a suffisamment joué dans d'autres mondes le pouvoir. Et c'est un peu la fin, c'est un peu le niveau ultime avec ce pouvoir. Ce costume, qui es-tu? Et là, c'est Stella? Attention, c'est ton droit. Ouais, c'est ça. Ok. Voyons voir. Ok, wow. Pour Dame Syrah, je te vaincrai. Alors, on est parti. Ça mute parce que les petits persos dans Princess Peach, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ça me rappelle beaucoup les personnages dans Sunshine. Je vais pas vous dire pourquoi c'est leur nez, je crois. J'ai oublié leur nom. Alors. Ok, bon, on s'en sort. Plutôt bien. Hop, hop. On s'en sort même très bien. Excellent. Vas-y, viens. Dernier coup. J'aurais pu en vrai. Hop. Raté. Raté. Vas-y, reviens. Ok, j'ai raté. Mais mince. Allez, vas-y, viens. Ok, là, comme ça. Mais mince. Attends. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à le toucher derrière. Oh. Ok, c'est bon. Fallait le faire trébucher suffisamment tôt en fait. D'accord. C'est bon. C'est réussi. Et du coup on a le dernier. Donc c'est un perfect sur ce monde. Et lui il est là. Tout mignon. Alors,
Merci, tu m'as sauvé. Nous devons nous échapper. Ouais. Ah ! Ouh ! Stylé ! Une attaque surprise, quelle couardise ! Je le bloque, frappe au bon moment. Hop ! Et voilà. C'est trop stylé. Donc on va avoir ça pour chaque transfo, ok. Ça rajoute pas mal de trucs. Ça rajoute 10 niveaux, déjà, voilà. Minimum. J'avais pas compris que c'était des niveaux. Pour moi, c'était comme genre des tableaux ou quoi qui allaient s'afficher. Comme une zone à trophées, un peu, c'était en fait pour moi. Ruban pour Stella obtenu. Ruban multicolore. Ok. Du coup, on récupère ça à suivre. Alors, est-ce qu'ils vont m'indiquer un petit peu plus ce qu'il en est de ça? Ou pas? On va voir. Concrètement, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. La porte, c'est fait. Ça veut dire que je vais faire au moins deux niveaux avec chaque truc. Quand je pense qu'ils ont créé des scènes pour y enfermer les étincellistes. Ça veut sûrement dire qu'en rétablissant leurs pièces, on pourra sauver les autres étincellistes. Merci de m'avoir sauvé. Ces brigands m'ont dérobé mes pouvoirs, puis ils m'ont enfermé. Je vais reprendre mon rôle et protéger les autres. Tu as toute ma gratitude, merci. Alors, t'as pas forcément de pouvoir en plus de ce que je comprends. Juste, en gros, tu sauves l'étincelliste en question. Donc, si là, j'ai dû faire deux niveaux à l'épée pour ensuite accéder au troisième, si c'est ça à chaque fois, ça va en faire des étages. Retournons au premier étage. Ok. Très bien. On verra. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et donc, j'ai débloqué garde-robe. J'ai débloqué ici rien, mais donc Stella, j'ai débloqué... Oh, stylé. En garde-robe, une seconde. J'ai rien débloqué, moi, dans le niveau... Ah, mais non, parce que c'était le niveau de l'épéiste. Donc non, j'ai rien débloqué, forcément. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 2 du Let's Play sur Princess Peach Showtime. Je kiffe vraiment le jeu. Je pense que ça se ressent, ça se voit. En tout cas, moi, je prends vraiment un gros plaisir. Et j'espère vraiment et sincèrement que vous aussi, comme je disais, je ne vais pas répéter 1000 fois, mais voilà, c'est un test aussi, cette reprise des Let's Play hors gros truc Zelda et tout. Donc j'espère vraiment eh bien, que vous kiffez, que vous passerez un bon moment, que les stats seront au rendez-vous, que vous laisserez un petit commentaire, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et puis c'est notre format préféré à tous sur la chaîne, je le sais, donc tiens qu'à vous vraiment de le faire survivre. Prochaine fois, on se fait ces trois niveaux-là, je pense, avec donc eh bien, la patineuse, le détective et l'autre, je comprends pas trop ce que c'est, une sorte de brigand. Est-ce qu'il y a un nom? L'infiltration et le détective, voilà, bon, deux choses un petit peu différentes. J'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu, n'oubliez pas de commenter, liker et vous abonner à la chaîne. À demain tout le monde, c'était Sifano, portez-vous bien et rendez-vous donc demain midi pour l'épisode 3 du Let's Play sur Princess Peach Showtime. À demain, bye.